Bonjour Monsieur Tissier, en direct de Bussac-Forêt pour spacefood.com. Donc je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Monsieur Tissier Philippe, président du club de Bussac-Forêt depuis 7 ans. J'ai 46 ans et je mène ce club pour monter le plus haut possible. Très bien. Au niveau du club en lui-même, combien d'équipes Il y a 3 équipes seniors, une équipe vétéran, une équipe de 18 ans, une équipe de 15 ans en ligue, une équipe de 13 ans honneur, 2 équipes de benjamin, une équipe de poussin et 2 équipes de débutants. D'accord. Et donc le... Cela représente 180 licenciés avec les joueurs et dirigeants. D'accord. Avec la première senior en première division. Avec un objectif de monter. Avec un objectif de monter en promotion de ligue. D'accord. Et de regagner pour la troisième année consécutive la coupe Aristide Mételli. D'accord. Meilleur souvenir au club? Mais il y a 2 ans, quand on a gagné pour la première année la Coupe Aristide Métayer, c'est un fait historique pour notre commune et puis pour le club qui n'avait jamais participé à une finale départementale. Et d'avoir gagné ça, ça avait remué. Toute la commune avait suivi et supporté le club sportif. La Coupe Aristide Métayer, c'est à peu près combien d'équipes? Mais c'est toutes les équipes toutes les équipes premières de chaque club de district qui sont engagés à ce niveau-là, d'accord. Au niveau départemental. D'accord. Une petite question piège. On vous dit que Zizou veut reprendre à Bussac. Qu'est-ce que vous lui dites, vos valeurs clés qu'est-ce que vous lui dites pour lui dire qu'il faut venir à Bussac et pas à Montendre, par exemple? Qu'on a de très belles installations sportives allumettes à son service. Très bien, les installations. Ouais. Un dernier mot, peut-être un mot aux supporters, remerciements aux partenaires. Mais le club vit grâce à de nombreux sponsors et les équipes sont encouragées tous les week-ends par de nombreux supporters et qui continuent à venir nombreux et à aider le club. Parfait, merci beaucoup Monsieur Tissier. Merci.